Bien, salut à tous, c'est Valentin, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur Train Sim World 4. Aujourd'hui, pour une vidéo un peu spéciale, c'est sur la feuille de route du mois d'octobre. La feuille de route du mois d'octobre, autrement dit, roadmap du mois d'octobre. Ici, on nous présente tout ce qui aura lieu dans les 6 prochains mois. Et notamment, ce qui nous intéresse le plus, c'est la partie entre ce mois d'octobre et la fin de l'année, avant janvier 2024. On nous dit qu'on va avoir une update sur l'hiver. Notamment, on comprend dans cette update de l'hiver une mise à jour, une update de la forme du design, du formation designer. Du formation designer, c'est pour tout ce qui est notamment l'éditeur de livret et les scénarios normalement. À voir. Et puis également les suspensions qui vont être introduites dans le jeu sur normalement tous les trains. Le mode de suspension, vous allez vraiment pouvoir voir que votre train est bien sur des suspensions comme en vrai, où de temps en temps ça bouge pas mal par rapport aux suspensions, surtout par rapport aux aiguillages. On remarquera ça et on regardera ça ensemble en live ou dans les différentes vidéos que je posterai sur la chaîne YouTube. Avant ça, je voulais vous dire aussi que je suis très heureux. Je suis très heureux que vous soyez de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne. Continuez à la partager, la chaîne YouTube. Continuez également à aimer les vidéos, à commenter si vous avez d'éventuelles questions. Et notamment, les questions, vous pouvez les poser dès ce soir. Ce soir, lundi 9 octobre, 20h, je vous donne rendez-vous pour une FAQ, une vidéo où on va un petit peu jouer, mais surtout, je vais répondre à toutes les questions. Donc, une foire aux questions, je vais vous répondre à toutes vos questions que vous vous posez sur l'univers de Train Sim World, sur le jeu Train Sim World. Et on fera également un petit récapitulatif sur le jeu, sur sa sortie, ce qui a changé, etc. On fera un petit récapitulatif par rapport à ça. Et donc, on fera aussi un petit récapitulatif par rapport à ces feuilles d'octobre. Donc, je vous donne rendez-vous ce soir, lundi 9 octobre, dès 20h, en live. Pour les add-ons qui auront lieu normalement là dans les prochains mois avant la fin d'année, on va avoir la Main Talbahn, Aschaffenburg, Miltenberg. On va justement en parler juste après. Et puis il y a les partenaires de Dovetail Games, pardon, Rivet Games et Just Trains qui vont nous sortir des routes. Just Trains compte nous ressortir Blackpool, la Blackpool branche avec Preston Blackpool et Ormskirk. Et ce scénario, on va en parler juste après aussi. Il y a également Rivet Games qui va sortir une route suisse. Et puis, ils vont sortir également deux gameplay packs à voir ce que ça peut être. Et puis, on aura un post-release pour les patchs. Donc, des patchs de mise à jour également. Voilà. Il nous confirme que TCG compte nous sortir la DBBR 420. On aura une route créée par Union Workshop, une route créée par Alan Thompson Simulation et l'itinéraire Kölharen, Cologne, Aix-la-Chapelle, qui sera mise à jour par rapport aux horaires. Parce que on avait pour l'instant les horaires Covid. Et donc on aura les vrais horaires de nouveau de Kölharen. Et ça, c'est ce qui est réalisé. Qui va être réalisé dans les prochains temps. Et c'est notamment des partenaires, ben, grâce au PC Editor, Union Workshop et Alan Thompson Simulation vont nous sortir deux routes. Voilà. On ne sait pas encore si ça va être payant ou gratuit. À voir. Pour un petit récapitulatif, un petit résumé, on va dire, de cette feuille de route du mois d'octobre, je vais vous le dire tout de suite ici. On parle justement d'un nouveau parcours. Donc, qui est le nouvel itinéraire allemand, on va en parler dans quelques instants. On parle également de l'itinéraire Blackpool Preston Ormskirk de Just Trains qui va arriver.
L'amélioration du concepteur de formation et de la suspension. Il y aura une réflexion initiale sur le PC éditeur, avec un plein feu sur les guides utiles et les quelques premiers projets qui ont été créés par la communauté. Il y aura également on va voir quelques photos, quelques captures d'écran créées par vous, joueurs qui ont diffusé ça sur le Dofta Live, les différentes captures d'écran. On va également parler d'un point crash sur la Xbox. Il y a des crash Xbox, on va en parler. Des mods, on va en parler. Et on va parler du New York Trenton. Et un patch est arrivé dernièrement également pour les correctifs et améliorations. Pour différents correctifs et améliorations. Il est déjà téléchargeable. Si vous avez joué, vous l'avez déjà téléchargé. Et on va parler également justement un petit peu de cette ligne LNER, de cette compagnie LNER, qui est une licence que Tracy Ward a reçue. Et grâce à Gareth Pate, on va en parler de ça. Parce qu'il est graphiste pour la LNR. Alors ils nous disent que depuis les premières semaines du jeu, il y a plus de 800 000 services et sessions de jeu qui ont été joués sur une variété d'itinéraires. Ils nous disent également que le nouvel itinéraire allemand est Main-Talbahn, Aschaffenburg-Miltenberg. Et ils nous disent joyeux mois d'octobre à vous tous et bonne journée de l'unité allemande à tous nos joueurs allemands, mais aussi qui ne sont pas allemands, ceux qui adorent les trains allemands comme moi par exemple. Nous avons une grosse friandise en forme de bavarois pour vous dans la feuille de route de ce mois-ci. Nous pouvons officiellement confirmer que le premier itinéraire développé par Dovetail Games pour Train Sim World 4 est Main-Talbahn, Aschaffenburg-Miltenberg. Et ils nous disent félicitations à tous ceux qu'ils ont pu voir avec leurs yeux d'aigle, tout ça dans la fameuse vidéo qu'ils ont publiée, qui est une vidéo intitulée 10 choses à vérifier dans Train Sim World 4. Justement, il y a une partie qui montre cet itinéraire. Ici, on peut voir justement l'itinéraire, la map de cet itinéraire. La route map, comme ils appellent ça. Et on peut voir les différentes gares qu'on passe. Il y a Aschaffenburg Hauptbahnhof, vous avez Aschaffenburg Hochschule, Aschaffenburg Sud, pardon, Aschaffenburg Obernau, Sulzbach am Main, Kleinwalstadt, Obernburg Elsenfeld, Glanstoppwerke, Erlenbach am Main, Wörth am Main, Klingenberg, Laudenbach am Main, Kleinherbach et Mittenberg. Miltenberg. Ils ont oublié le L ici. Miltenberg. Voilà. Donc ça, c'est la route map. Ils nous disent qu'elle a plein de charme et elle est dotée du nouveau et élégant DBBR 642 DMU. Le DBBR 642 DMU, ce n'est autre que cette locomotive-là. Qui est déjà présent sur train sim de son train simulateur, pardon. Pardon. Et elle est là. On peut la voir ici. En vrai. Et on peut la voir surtout ici. En photo. En photo ici. Voilà. Une photo d'avant-première de cette locomotive qui est présent sur Train Sim World. Qui sera présent sur Train Sim World. Voilà. Et ils nous disent qu'elle est soutenue également par la BR363 qui offre du fret de locomotion locale sur l'itinéraire. On peut le voir ici. C'est la fameuse locomotive 363 qui est un DLC. Un DLC de Train Sim World 2. Si vous l'avez pas, ce DLC, c'est pas grave. Vous pouvez quand même la rouler sur cet itinéraire parce qu'elle sera présente sur cet itinéraire. Pas besoin d'avoir le DLC. Et ils nous disent qu'ils ont hâte que nous roulions le long de la rivière Main
avec ce diesel des héros de toute beauté. Situé dans les temps modernes et superposé avec la Red DBBR 628, un ajout récent pour tout ce qui possède Niedertalbahn. Et cette locomotive, on peut tout autre la jouer normalement, on peut que la jouer si on en a un Niedertalbahn, donc je pense que on peut même pas la jouer, cette locomotive là. On l'a en mantalo, couleur mantalo. C'est les anciennes couleurs de la Deutsche Bahn. Et justement, maintenant on l'a en couleur rouge et blanche. C'est une mise à jour qui a été faite pour Transim World 4. Et elle sera présente donc sur cette Niedertalbahn. Par contre, si vous n'avez pas Niedertalbahn, je ne sais pas si vous pouvez la jouer. Ils nous disent qu'il y a beaucoup de diversité et d'opportunités d'explorer de nombreuses manières, avec de nombreuses manières différentes. Une particularité grâce au nouveau planificateur de scénario amélioré et au free mode. Voilà. L'itinéraire, donc, il sera au prix de 29,99€, donc 30€ pour ce DLC. Et encore une fois, ben, on voit que voilà, ils savent ce qu'ils veulent en argent. Mais bon, ça justifie quand même parce que je pense qu'elle peut être pas mal. Donc 30€, je trouve, ça devrait aller. Ils nous disent qu'ils auront beaucoup plus d'informations sur cet itinéraire pour les semaines à venir. On en reparlera notamment en vidéo et en live. On manque rien ici sur Moselle Game. Donc, quelques photos avec cette livrée en version bivouacked. Voilà. La 363 qui tire des wagons. Des wagons grumiers. Là, on voit celle-là de nuit. Et l'intérieur de ces BR 642. 642, hein, c'est ça, ouais. De la BR 642, l'intérieur. Pas mal aussi. On peut notamment voir tous les boutons ici. Toutes les lumières. Sifa et compagnie. On la voit ici. Ici, à côté d'une 363. Très belle image. Là, c'est à l'intérieur de cette locomotive. Là aussi, c'est à l'intérieur. Très, très joli tapis. Et là, on la voit à côté de la fameuse locomotive Montalo, qui est transformée en rouge et blanc. Et c'est là, tout autre que la BR3... Non. BR363, non, pas du tout. La BR628, voilà. La BR628. Ici. BR642 et BR628. Et maintenant, ils nous disent qu'on va parler un petit peu de l'itinéraire Preston, Blackpool et Helmskirk. L'équipe de Just Trains a travaillé très dur pour arriver à la fin du développement de cet itinéraire. Et pour cette feuille de route, ils disent qu'ils voulaient nous diriger vers leur blog en développement et bien sûr nous montrer de belles captures d'écran. Cette fois, ils parlent de tout ce qui concerne les monuments et bon sang, y a-t-il des lieux emblématiques sur ce parcours, ils disent. Consultez donc le blog de Blackpool Branch avec les quelques captures d'écran supplémentaires. Et le blog, voilà ce qu'il nous dit, c'est un très très long texte, mais à différentes vidéos. Différentes photos, pardon. Et on a même un timelapse. Sauf qu'on va pas le regarder. Où on voit les locomotives qui rentrent dans la gare. Donc là, il nous montre la tour emblématique de Blackpool. La plage de plaisir de Blackpool. Je sais pas s'ils appellent ça comme ça, mais peut-être c'est une mauvaise traduction. Mais je pense que c'est notamment un gros endroit où il y a des montagnes russes, hein, comme vous pouvez le voir. Le moulin d'Einskog, le viaduc de Rebel, très très joli aussi, bien ancien et tout, pas mal. L'église Sainte-Walburg, Walburg, c'est très joli. Le château d'eau de Warbreck ici, très spécial aussi. Et donc du coup ce fameux timelapse qu'on peut regarder, mais on va pas le regarder parce que bon, c'est pas mal de trains
diesel et tout qui pourront passer par là. Peut-être que avec le pack diesel, on pourra peut-être y jouer avec ce fameux pack. Maintenant, il nous parle un petit peu de ce concept de formation qui est amélioré aussi également, où ils ont travaillé un petit peu tout ce temps sur l'intégration du formation designer à Tracim World 4. Et grâce à cette opportunité de créer nos propres compositions et de les utiliser dans les scénarios en mode free room, ils disent que les priorités actuelles ont soutenu les commentaires de lancement et donc ils voulaient partager quelques captures d'écran de la façon dont il apparaît actuellement dans le jeu. Ils disent qu'ici on peut voir un exemple de formation personnalisée de la nouvelle interface. Les trains peuvent contenir 100 véhicules, mais plus le train est long, plus on aura besoin d'une locomotive puissante. Certaines de ces options disponibles lors de la création de notre formation, y compris l'option très pratique inverser la formation. Voici l'interface donc d'utilisateur général du formation designer, on connaît très bien. On peut voir donc les détails de clé de votre formation, y compris le poids, la puissance, pour identifier comment vous souhaiterez peut-être que les peut-être utiliser dans le jeu. Le travail donc est en cours et ils mettront donc une mise à jour par rapport à cette feuille de route lorsqu'ils auront plus à partager. Les améliorations de suspension. Ils disent que, comme ils ont mentionné dans la vidéo de lancement de Transim World 4, l'équipe travaille sur ce qu'ils peuvent faire pour mettre en œuvre des améliorations de la suspension, c'est-à-dire donc inclure un balancement vertical et horizontal pardon, qui coïncide avec la façon dont on conduit. On peut voir donc le premier essai sur la BR Classe 323 au centre de formation Transim World 4. On n'a pas pu la voir encore, on n'a pas fait gaffe en fait, mais elle a déjà les suspensions. C'est vraiment juste pour tester. Et donc ils disent que on doit encore ajouter, ils doivent encore ajouter une suspension pneumatique à la locomotive car elle bouge vraiment beaucoup. Leur équipe de physique des trains continue à travailler sur ce à quoi cela pourrait ressembler pour les trains qui figurent dans les trois itinéraires principaux de l'édition de standard. Et comme le formation designer, ils mettront à jour lorsque ils auront plus à partager par rapport à ça. Donc ils diront ce qu'il y a de news par rapport à ça. Pour l'instant, c'est encore en phase de développement, ils ne peuvent pas le dire, ils peuvent pas tout dire. Ils disent qu'il y aura des nouveaux horaires pour donc Kölnharen, ou autrement dit Cologne-Aix-la-Chapelle. Les travaux donc se poursuivent sur le nouvel horaire Cologne-Aix-la-Chapelle ou Kölnharen, c'est la même chose, hein. C'est juste la traduction allemande, sur lequel donc leur équipier Joe se débat. Il se débat vraiment dessus, ça doit être assez compliqué. Et donc, il peut découvrir plus de détails sur ce... et on peut découvrir plus de détails sur ce que il prévoit en consultant l'article de la feuille de route du mois d'août, dont le lien donc est ci-dessus. Voilà. Et moi, je vous fais référence donc à la vidéo roadmap numéro 1 sur la chaîne YouTube. C'est celle-là, justement, où on parlait des nouveaux horaires de Cologne-Aix-la-Chapelle. Il y a également eu un patch pardon, pour le post-lancement où il y a eu un problème avec les feux rouges entre Brême sur l'itinéraire Brême-Oldenburg. Donc ça a été réglé. Les passagers n'étaient pas visibles sur Peak Forest, Linkereinstrecke et Luzern-sur-See. Et ça, on peut vraiment dire oui parce que Luzern-sur-See, on y a joué sur cet itinéraire suisse. Et effectivement, je m'étais posé la question en live, comment se fait-il qu'il n'y a pas de passagers, il n'y a personne qui se balade, mais en fait, c'était un gros bug. Et les personnes se baladaient, mais ils n'étaient pas visibles. Donc voilà, c'était un gros bug et ça a été réglé. Normalement, ça a été réglé. Les personnes qui possèdent la Xbox, pardon, peuvent donc accéder au Xbox Creator Club, cette fois-ci. C'est aussi un bug. Il y a eu une augmentation du sifflement des freins. Sur la voiture Rotem, la F125, la voiture Rotem de l'itinéraire américain. Et donc les passerelles Azuma Coaches sont désormais reliées par un câblage électrique. Les futurs correctifs arrivés, ce seront le retour haptique qui est trop fort qui sera amélioré. Les objets pardon, de collection qui ont disparu sur l'itinéraire Vorarlberg, ils vont revenir. Le système de notation va avoir quelques améliorations. La livrée importée.
la livrée, on pouvait importer des couches manquantes de Transformers 3 sur les livrées. Il y a des livrées en fait qu'ils avaient des couches sur Transformers 3 qui sont plus visibles sur Transformers 4. Donc ça va être corrigé. Par rapport à la navigabilité de la caméra, il va y avoir aussi une mise à jour par rapport à ça. Les crashs de l'itinérance gratuite. Et l'Azuma AWS et son bruit de moteur. Ça, c'est les correctifs qui auront lieu dans les prochains temps. Là, ils nous disent que ils vont nous présenter les collections de photos qu'ils ont eues. Et notamment ici, le joueur capitaine Gunadip qui exhibe donc le Vectron lors d'un coucher de soleil pluvieux. Très belle couleur, très très joli train. Et jolie photo. Là, il y a Pixelade qui capture la combinaison improbable du F-125 et des montagnes autrichiennes sur le Free Room. Tout à fait, ça va pas du tout ensemble. Le joueur Nilsubsolenovum, voilà donc des pseudos spéciales. Lui, il montre une soirée britannique brumeuse et maussade. On peut le voir ici. Et eux, ils pensent vraiment que la photo de la Flying Scotsman qui a été prise par Richard Woodward, c'est une photo phénoménale. Et c'est vrai. Quand on peut voir, on pense vraiment à une vraie locomotive qui a été prise en photo. L'Azuma de la East Coast Main Line ici a été capturé par Paintbrush Guy. Et enfin, Benz 80, 850-806 utilise donc le mode Free Room et le mode photo pour faire en sorte que toutes les locomotives allemandes soient alignées ensemble pour pouvoir les prendre en photo. Et là, on voit vraiment toutes les locomotives allemandes de tous les DLC et du jeu de base qui sont présentes. Depuis le Transimworld 2020 jusqu'à celui-ci, il nous présente vraiment toutes les locomotives ici, en toutes les livrées. Parce qu'on a trois fois la même, mais en version Dispoloc, MRCE et Deutsche Bahn. L'éditeur PC, toujours encore en train d'améliorer, et de toute façon il est toujours en mode bêta. Ils disent que l'un des changements les plus importants à venir avec la sortie de Transformers 4 a été donc la possibilité pour les joueurs Steam et Epic d'expérimenter et créer leur propre contenu avec le lancement du PC Editor. Ils en sont ravis qu'au premier stade. Non, ils en sont qu'au premier stade, pardon. Et tous ceux qui ont essayé doivent leur faire savoir où se situe leur défi, afin qu'ils puissent adapter le matériel et le didacticiel en conséquence. Leur première priorité en termes de développement pour Dotemu Games est d'établir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas lors de la création des types de contenu de base. Et donc de comprendre comment on y joue et donc quels didacticiels sont nécessaires. Ils alimenteront donc le forum PC Editor avec des guides d'utile et des foires aux questions pour aider ceux qui essaient, ainsi que des sessions de masterclass avec les développeurs à partir de la semaine prochaine et pour les aider. Ce n'est donc pas un outil facile à apprendre et collectivement à apprendre pardon, ce Unreal Engine 4, et collectivement ils pourront soutenir mutuellement pour créer quelque chose de merveilleux. Dans un premier temps, ils recommanderont de renseigner de qu'on se renseigne sur l'UE4, Unreal Engine 4, pour nous donner quelques bases qui leur permettront donc de comprendre un peu plus facilement leur version adaptée de l'éditeur. Et on peut voir une vidéo ici. Ils disent également que certains d'entre nous prennent des devants et donc peuvent terminer cette section pardon, sans partager le travail effectué par le joueur Fekrai pour construire son propre itinéraire pardon, simple et avec des voies ferrées et des trains, quelques éléments de décor. Et quelques éléments de décor, ils nous disent bien joué. Il a également souhaité partager les travaux entrepris pour certains acteurs créant des locomotives. Noab dit 3
Deutstein. Les plantages Xbox ont été réparés également. Ils disent que leur priorité numéro 1 pour le moment est donc de résoudre les problèmes qui plantent certains joueurs Xbox dans le jeu. Ils disent donc merci à tous pour leur patience pendant qu'ils essaient de diagnostiquer la source du problème. Ils y travaillent, mais ils n'ont pas d'explication complète pour l'instant sur ce qui se passe et pourquoi ils n'y arrivent pas. Donc ils comprennent pas vraiment où il est le problème. C'est peut-être un gros problème du côté d'Xbox, mais je crois pas, quand même. Ensuite, ils disent qu'ils utilisent généralement ce qu'ils appellent les kits de développement pour que leur équipe d'assurance qualité examine donc les nouvelles versions, car elles reflètent dans la plupart des cas ce qu'on peut, en tant que joueur, virer dans le jeu à la sortie. Malheureusement, avec la sortie du contenu compatible mardi dernier, ils ont vu donc les kits de vente au détail, c'est-à-dire ceux auxquels ils peuvent accéder une fois la certification de plateforme effectuée. Se comporter différemment par rapport à un environnement de test, de cette façon, leur communauté bêta n'a également rencontré aucun problème jusqu'au jour où le contenu a été mis en ligne. En raison donc de cette situation, ils comprennent maintenant comment faire en sorte que les kits de développement simulent l'environnement retail direct et qu'ils mettront cela en œuvre dans leur plan de test à l'avenir. Comme les solutions de contournement temporaires, si on rencontre ce problème, les joueurs de leur Xbox devront mettre leur console en mode hors ligne et donc offrir une solution de contournement temporaire pour accéder à Tracing Mode 4 sans rencontrer de crash ou au démarrage. Ils disent que ils doivent noter que certains utilisateurs ont signalé que le lancement peut prendre un certain temps, jusqu'à 5 minutes environ. Et donc, un grand nombre de modules complémentaires sont installés. Bien que cette solution de contournement devrait nous permettre donc d'accéder au jeu sans planter, et étant donné que le mode hors ligne, on ne pourrait pas l'utiliser avec les services nécessitant une connexion Internet, tels donc le Dovetail Live, le Creation Center et le Online Sharing. Et donc du coup là il montre quelques vidéos justement à mettre à jour sur le fil lorsque on aura une mise à jour par rapport au Creator Club. Les modes des joueurs, ils disent qu'ils travaillent à fournir donc une documentation pardon, aux modeurs qui à la suite du lancement de Tracing World 4 ont tout donné pour avancer. Pour démystifier un mythe, il s'agit donc moins d'un problème de gestionnaire de modules complémentaires que du fait qu'ils ont modifié le format du matériel compilé pour prendre en charge l'itinéraire public. Ils disent essentiellement que les modes de base semblent être dans une forme raisonnable, comme le mode Dieu, je ne sais pas ce que c'est exactement, qui selon eux disposent déjà d'une mise à jour Tracing World 4. Mais les modes de contenu, ils auraient besoin d'un peu plus d'attention. Il existe donc quelques correctifs qui les aident à mieux fonctionner et ceux qui figureront dans une future version. Mais ce sera donc un processus continu avec le mode de texture par exemple. Ils ont bien réagi par rapport à ça aux améliorations apportées à la future version. Pour le moment, ils recommandent donc aux joueurs qui créent du contenu mode de ne pas tirer jusqu'à ce qu'ils soient en mesure de leur donner des conseils. Sinon, ils risquent donc de perdre leur travail et s'ils doivent mettre une mise à jour à quoi que ce soit pour les soutenir à plus terme. Ils disent comme quoi ils ont besoin de notre aide pour capturer des locomotives, des sons de locomotives et de la renvoyer, tout ça.
dans la partie audio. Parce que franchement, ça peut aider, ça peut les aider justement par rapport aux locomotives, parce qu'ils n'ont pas toujours le son des locomotives, des vraies locomotives. Ils ont pris notamment le son de la F-125. Faut aller jusqu'en Amérique pour prendre le son. Et du coup, là, il parle également de New York Trenton, que certains joueurs rencontraient des problèmes de performance avec le calendrier New York. Et donc, ils ont examiné la source des problèmes et d'après leur première investigation, à ce stade, c'est la densité des passagers, le calcul de la signalisation et les voitures à deux niveaux. Cependant, au stade où c'est, ils ne sont pas en mesure de fournir plus d'informations ou de détails par rapport à ça. Ils disent également que toutes les améliorations apportées seront rétroportées donc sur la version Train Simulator 3 avec le nouveau calendrier une fois que ça a été publié. Et puis il y a différentes questions que les gens se posent et là justement on pourra y répondre justement ce soir dès 20h, je le rappelle, lundi 9 octobre dès 20h en live ensemble. Et on pourra justement répondre à ces questions. On verra les questions qu'ils ont posées, les réponses qu'ils ont données. Et puis on fera aussi en vrai. Parce que c'est ce soir la vidéo sur la FAQ, donc foire aux questions et récapitulatif de Train Sim World 4. On pourra également parler de ces fameuses licences. Et là, c'est notamment plein de gens qui en parlent. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas donc à mettre un j'aime, à vous abonner, à activer la cloche de notification. C'est très important, la cloche de notification. Et puis, sur ce, portez-vous bien. Vive les jeux vidéo. À la prochaine. Bye bye.